Salut à tous, c'est Ashana. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour une ouverture de booster Magic. Donc trois boosters Conspiracy. Donc ce sont trois boosters qui m'ont été offerts et envoyés par un ami. Donc je vais les ouvrir. Donc j'essaie de faire le moins de bruit possible parce que même avec les ciseaux, j'en fais. Allez. Donc le nom est en anglais, bien sûr. Donc ma prononciation est ignoble. Oh, un brainstorm, ça c'est bon. Oui, bon, ça, d'accord, ça je sais le dire. Il y a certaines cartes, ça se je les reconnais au niveau du dessin, principalement. Alors, la rare. Ouais, Dragonstone Forgotten, un zombie rare. Donc en gros quand il arrive sur le champ de bataille, je mets X marqueur +1/+1 sur eux. X étant le nombre de créatures dans le cimetière. Et pour 3, j'enlève un de ces compteurs justement sur eux et la créature ciblée gagne -1/-1. Pour 5 c'est quand même un petit peu cher, je trouve à mon goût. Nous avons une carte Conspiracy. Donc elle n'est pas foil. Museum's Preparation. Hop, je vous la montre un petit peu mieux. Donc je vous montre la carte rare. Voilà. Donc le Brainstorm, c'est une carte très utile et que j'apprécie jouer dans mes decks. Du moins en Legacy. Hop, donc on va passer au second booster. Je fais attention pour pas abîmer les cartes non plus. Hop. Non, les noms, mais il y en a certains. Doom Facture. Ça, c'est. Je sais que ça a été. C'est une bonne carte qui a été cherchée. Donc, hop. Peut-être je vais un petit peu vite. Oh, le papy Sakura. Ah, il est bon lui. J'adore cette carte. L'illustration de l'esprit du ciel, il est tout simplement sublime. Je l'avais déjà eu la dernière fois et je trouve toujours l'illustration aussi belle. Alors, Root. Alors, je peux. D'accord, je peux jouer ça comme un éphémère si je paye 2 de plus. Incolores et je détruis toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. D'accord, une colère de dieu, magnifique. Et la carte en conspiracy, c'est une rare. Go work a grinder. D'accord, je regarderai un petit peu plus tard. Donc du coup, je suis en train de regarder, mais ça me fait déjà 3 rares. 3 rares dans une conspiracy. C'est vraiment pas mal. C'est, je suis vraiment désolée, mais je suis pas familiarisée avec l'anglais. J'ai un accent, mais vraiment pourri. Donc, c'est pour ça que j'essaie de déchiffrer un peu le texte. Que ça met un petit peu plus de temps. Encore en brainstorm. Très bien. Très bon. Oh, lui, je l'aime bien. Un petit chat. De 2 pour 2 avec le lien de vie. Toujours très sympathique. Ouais, mais il y a des illustrations, mais elles se reconnaissent vraiment fait aux fictions. C'est pas mal. Alors, et une rare Grenzo Dungeon Warden, un gobelin. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, je mets X marqueur +1/+1 sur lui. D'accord, donc puisque dans son coup il y a marqué X. Donc pour 2, je mets la carte du dessus de ma bibliothèque dans mon cimetière. Si c'est une créature avec un pouvoir inférieur ou égal à la bestiole, je peux le mettre dans sur le champ de bataille, mais c'est pété. C'est pas mal quand même.
Mais il faut vraiment le faire grossir dès le départ. C'est pas une carte à lancer dès le début. Ou quoi qu'avec des messes noires ou des chamboulements, ça passerait très bien. Et enfin, Cogwork Tracker en conspiration. Je trouve l'illustration très jolie. Donc au niveau récapitulatif, donc j'ai celle-ci. Le Museus Preparation. Et la carte la rare Cogwort Grinder. Et ensuite j'ai Root. Dragonstone Forgotten et Grinzo. Donc c'est une ouverture. Bon, c'est vrai que la dernière fois c'est sur 5 boosters, il me semble, j'avais eu Exploration, c'était vraiment du lourd. Mais il y a des petites cartes très sympathiques. J'ai deux Brainstorm, c'est vraiment un Papy Sakura, Dream Factor. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je vous souhaite d'avoir peut-être même plus de chance que moi. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.